Alô! Bonjour, bonjour tout le monde, bom dia todo mundo, ça va bien? Tudo bem? Mais hier soir, je me suis couchée et c'était tout propre. Je me suis réveillée ce matin, c'était tout blanc. Tout blanc devant le jardin, devant ma maison. C'était beau! Difficile à venir ici, on s'entend, mais c'était beau, 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 très beau, très beau. Ça va tout le monde? Ça va Dominique? Ça va Ginette? Ça va Diane? Ça va Aurélie? Virginie ne peut pas être avec nous, mais ça va Virginie quand tu regardes ça en différé, jeune. Ça va tout le monde? Jenny, bonjour Jenny, ça va, ça va? On a plein de choses à parler aujourd'hui. Bonjour Gabrielle, tout bien Gabrielle? On a une Brésilienne aussi, oh notre Brésilienne, oui tout bien. Bon, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Allô Geneviève, allô Anne, bonjour Anne. Mathilde, oh on a nombreuses, j'adore quand on est du monde parce que les questions sont toujours plus intéressantes. Bonjour Manon, bonjour bonjour. Alors, comme je dis, on a une liste extensive de choses à parler aujourd'hui. On va commencer pour le plus simple, qui c'est parler du carré, d'accord? Et après, je vais répondre la question, ne me laisse pas oublier la question de Virginie. Et j'ai beaucoup de choses aussi à vous parler. Ça va comme ça? Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Virginie m'a posé la question sur comment rentrer les fils. Aujourd'hui, on a déjà notre carrière dentelle qui est un défi, un nouveau défi. On commence, on va jouer maintenant dans la Big League, ouais, dans la Grande Ligue de tricoteuses. Finalement, on va voir qu'est-ce que c'est la dentelle. Et dernière chose que j'aimerais vous montrer, si on aura du temps, parce que Céline enchaîne un cours après moi, donc si on aura du temps, j'aimerais vous montrer un site que toutes les tricoteuses faut savoir, qui c'est un site qui s'appelle Ravelry. Si vous n'avez pas, si on n'a pas de temps aujourd'hui, parce que la dentelle ça peut être compliqué, ne vous inquiétez pas, on va parler de Ravelry la semaine prochaine. Ça va comme ça? C'est parti. Ça, c'est les carrés qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? On commence doucement la dentelle. Ok? Avec cette petite fleur ici. Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et on a deux types d'augmentation, oh, deux types de diminution à faire et un type d'augmentation. Ça, c'est les spoilers. D'accord? Les spoilers, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'après 5 semaines, j'imagine que tricoter à l'endroit et tricoter à l'envers, ça est devenu automatique. Est-ce que je suis correcte? Oui, est-ce que vous êtes capable maintenant de faire avec les yeux fermés, en train de regarder Netflix? Pas encore, vous êtes dans les bons chemins, comment ça se passe? Donc maintenant, on va commencer un type de travail qui je dis que la dentelle, c'est la chose la plus. Dominique est impressionnée. Waouh, Dominique, oui, tu seras capable de faire ça aujourd'hui. La dentelle, c'est le travail de tricot le plus antisocial qui existe. Au moins au début. D'accord? Au départ. Parce que, à date, okay, à chaque fois qu'on oubliait une maille, à chaque fois qu'on faisait un endroit au lieu d'un verre, là là là, c'était un petit détail, un petit erreur qu'on faisait ici et là. Et après, on continue notre carré, on ne voit pas grand-chose. Mais, quand on fait la dentelle, si on oublie une augmentation, si on oublie une diminution, ok, si je laisse tomber mon jeté, que vous allez voir comment ça fait, ça décale tout, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est un travail au début complètement antisocial parce qu'il faut se concentrer, d'accord? C'est un travail à faire après que les bébés s'endorment. Ok? Après, si vous avez quelqu'un qui habite chez vous, vous pouvez mettre quand même en affiche silence. Je tricote la dentelle. Ok? De côté ici pour n'être pas perturbé pendant que vous tricotez. C'est bon? Ok. Non, Jenny, laisse tomber, ça va être bien. Tu verras, tu verras. Donc, on va d'abord regarder notre charte parce qu'on a aussi des 3 choses nouvelles dans la charte d'aujourd'hui. Ok? Qui peut me dire, en regardant la charte d'aujourd'hui,
Qu'est-ce qui je n'ai pas? Il y a trois choses qui n'existent pas dans la charte d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ici dans les commentaires pour que je regarde? Trois choses qui n'existaient pas dans la charte d'aujourd'hui, qu'on était habitué à le tricoter dans les chartes d'avant. OK? Et maintenant, on n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire? Chose numéro un. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les mailles de bordure. Bravo, Manon. 10 points à Gryffindor. Voilà. Bravo, bravo. Manon a 10 points qui ne savait rien du tout, mais tu as gagné les 10 points d'aujourd'hui. Tu as une forte candidate au trophée chouchou de la prof de la semaine. Oui, mais ça, c'est qui on a, d'accord? C'est Diane, SSK, GT, ça, c'est qui on a. Je veux savoir qu'est-ce qu'on n'a pas. OK? Manon a déjà dit, on n'a pas la bordure. Ici, on a les trois mailles, OK, qui n'existaient pas dans ce cas. Les rampes, Gabriel, tu viens de gagner les 10 points Gryffindor aussi, qui vaut rien. Tu es aussi une candidate au trophée chouchou de la prof. Les diagonales, je ne sais pas bien de quoi tu parles. Ben, Dominique, elle a dit les points mousse. J'imagine que tu parles les trois. Hein? OK, Dominique, je te donne 10 points aussi. Et j'ai donné 10 points à, je pense que c'est Janie qui a dit la bordure. Donc, les trois mailles, les trois reins que j'ai au début, les trois reins que j'ai à la fin et les trois mailles que j'ai de côté n'existent pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Et si je regarde bien ma charte, j'ai que des chiffres seulement de mon côté droite et j'ai rien de mon côté gauche. Alors, comment on fait? On va voir ça doucement, d'accord? Je vais parler détail par détail. D'abord, on a une entente ici, entre nous deux, toi et moi, moi et toi, qu'il faut toujours faire la bordure, d'accord? Donc, si on sait déjà qu'il faut faire toujours la bordure, il n'a pas besoin de mettre dans la charte. D'accord? Parce que sinon, la charte, elle va rester encore plus grande, plus large et plus haute. Donc, il n'a pas besoin. C'est une entente entre toi et moi, moi et toi, qu'on va faire toujours. Donc, on va faire les trois rangs du début et on va faire les trois rangs de la fin. C'est bon? OK. Ici, si je regarde bien la réalisation, la partie ici, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui a commencé à faire ces cours-là parce que je veux apprendre à tricoter des patrons. D'accord, les patrons, c'est ça. Il y a l'indication. Donc, il faut toujours lire la partie de réalisation. Ici, il me dit de monter 36 mailles, tricoter 3 rangs au point mousse. Donc, il n'y a pas dans la charte, mais c'est dans les explications. Puis, on va tricoter mes 3 mailles des bordures en jersey, toujours. Les 30 mailles du centre, ça va être ma dentelle. Donc, ici, on a une combinaison de points mousse, même chose que les autres. Points mousse ici, avec notre point de dentelle au centre. On va monter 36 mailles, parce que 3 mailles appartiennent à ma bordure de droite et 3 mailles appartiennent à ma bordure de gauche. Ça va jusqu'ici? Facile? OK. Et pourquoi on n'a pas les reins à l'envers? Parce que les reins à l'envers, je vous raconte ça, ça va être notre rein bonbon. Qu'est-ce que c'est les reins bonbons, Clara? Je suis diabétique, je ne peux pas manger de bonbons. Pas vrai, je ne suis pas diabétique, j'adore le chocolat en plus. Hein? Parce que si je regarde bien ici, à noter, d'accord? Je regarde que les reins à l'envers, toujours sont les reins pairs, ne sont pas présents dans la charte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rien de spécial à faire sur les reins à l'envers, d'accord? Les reins à l'envers, on va tricoter les 3 premières mailles à l'endroit, les 30 mailles du centre à l'envers, et les 3 mailles de la fin à l'endroit pour maintenir ma bordure. Ça, c'est une dentelle qu'on appelle, c'est une dentelle sur une base jersey. Pourquoi? Parce que toutes les augmentations et diminutions qu'on va faire, s'y retrouve sur mon côté endroit et sur mon côté envers, je tricote la dentelle tout à l'envers et seulement les bordures à l'endroit. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que vous avez des questions sur comment on lit cette charte?
On va faire ensemble, ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais j'aimerais savoir si, avant que je continue, j'aimerais s'il y a des questions. Gabrielle, ah oui, effectivement, il n'y a pas d'indication à l'envers, endroit où exactement. Oui, donc cette chatte-là, les reins, merci Manon, les reins à l'endroit, c'est les reins qui ont travail de diminution, ont travail augmentation. Ils sont mes reins à l'envers, l'unique chose que j'ai fait, c'est tricoter à l'envers, sauf les bordures de chaque bord. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rappeler de ça? Pour les dames qui aiment faire des coloriages sur la charte, vous pouvez simplement ajouter, par exemple, ici, un petit quelque chose pour vous rappeler qu'il y a la bordure. D'accord? Vous pouvez aussi ajouter qu'ici, que les mailles à l'envers sont toutes, les reins à l'envers, c'est tout à l'envers. OK? On peut annoter des choses pour ne pas oublier, pour ne pas se tromper, d'accord? Avec ton semaine, on ne risque pas d'être plus étroit. Ah, merci Manon de poser cette question. Non. Non, je vais vous expliquer pourquoi, mais la semaine prochaine, je vais vous donner un exemple mieux. Parce que la dentelle, elle s'étire plus que les autres à cause de trous, d'accord? Donc, si je monte genre 40 mailles, ma dentelle, elle va s'élargir pour beaucoup et ça va être plus grand que mes carrés originaux. D'accord? Donc, c'est pour ça que les dentelles ont fait avec moins de mailles. Et vous allez voir aussi, je vais anticiper un peu, mais quand on commence la torsade, c'est justement le contraire. La torsade, elle va rétrécir. Donc, en rétrécissant, on va ajouter plus d'émail pour que les carrés en torsade soient de la même taille du carré, des autres carrés qu'on a fait. D'accord? C'est bon? On y va? C'est parti! Donc ici, j'ai déjà commencé à faire... Oups! Tadada. J'ai déjà fait ma petite... mon petit échantillon. D'accord? Ici, je suis prête à commencer au rang 3. D'accord? Lumière ici. Mon rang 3, c'est où je vais commencer. Là aussi, c'est le moment que je profite pour expliquer pourquoi j'aime mieux la méthode continentale. Mais j'arrive. Je vais faire d'abord à l'anglaise, d'accord? Les amis qui tricotent continental, attendent un peu et je vais montrer comment faire, d'accord? Donc, je suis ici au début, je vais faire mes 3 mailles de bordure. Maille 1. Maille 2, maille 3. C'est bon, ça c'est mes 3 mailles de bordure. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles, carré vide, tout à l'endroit. Donc, on va faire 5 mailles. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 4. Et 5. Et là, finalement, je suis arrivée à cette boule blanche. D'accord? La boule blanche qui est ici, c'est un jeté. Et elle est représentée exactement par une boule blanche parce qu'il correspond à un jour, à un petit trou ici dans mon ouvrage. D'accord? Donc, je suis bien ici, je vais faire ce trou ici. Donc, pour les amis qui tricotent à l'anglaise, regarde ce que je vais faire. Pour les gens qui tricotent à l'anglaise, le jeté, il est fait avec 2 étapes, ok? La première étape, c'est de passer mon fil en avant, comme ça. Je passe mon fil en avant, ok? Et ensuite, il y passe sous mon aiguille, comme ça. Les jetés, de la façon anglaise, c'est ça. C'est ça. C'est passer mon fil, c'est faire mon fil passer sous mon aiguille. Donc, mon fil était en arrière parce que j'ai tricoté à l'endroit, d'accord? Donc, je passe mon fil en avant et je passe mon fil sur l'aiguille, comme ça. Je répète. Mon fil était en arrière. Je passe mon fil en avant. Et je passe mon fil sur l'aiguille de cette façon. Mais, comme vous avez remarqué, quand je fais ça,
Si je ne tiens mon fil ici, il a tout lâche, tout. Il peut tomber, il n'est pas en sécurité. Donc, pour fixer mon jeté ici sur mon aiguille, il faut que je fasse ce qui vient après. Donc, qu'est-ce qui vient après ici? C'est une diminution. C'est une diminution qui va tomber à gauche. D'accord? En anglais, on appelle ça des SSK. SSK, j'écris ici des côtés. SSK. OK? Je vais expliquer tantôt pourquoi. En français, on appelle ça des sourds-G. Et c'est un sourd-G simple. Pourquoi c'est simple? Parce que je vais diminuer qui est une maille. Je vais vous prouver ça. Regarde ce que je vais faire. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais répéter ça plusieurs fois. Donc, mon jeté, il est ici, sur mon aiguille. Je vais glisser la maille suivante à l'endroit. Tchoudoudou. La maille d'après, je tricote. Et là, quand je tricote, ma maille d'après, c'est là que mon jeté, c'est la deuxième étape de faire le jeté. Quand je tricote ma maille d'après, mon jeté, il est fixé sur mon aiguille. Donc, j'ai tricoté, j'ai glissé cette maille. J'ai tricoté cette maille ici. Et la maille que j'ai glissée, je vais la rabattre. Donc, je rentre mon aiguille ici et je passe par-dessus, comme ça. Et je fais une diminution qui tombe à gauche. Est-ce que vous pouvez regarder ici? Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Ici, j'ai une maille qui est inclinée vers la gauche. Si vous comparez celle-là, cette maille-là, elle est vers le haut, ni à droite ni à gauche. Mais ici, elle est inclinée vers la gauche. D'accord? Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a fait déjà deux actions différentes. On a fait une augmentation, qui il y a un trou ici. Et ici, je fais une diminution, qui c'est une diminution qui tombe à gauche. Je répète la diminution? Ok, je répète la diminution. Donc, je suis en train de défaire ici, un petit peu. Donc, comment je répète les sujets simples? Je vais vous montrer deux façons, d'accord? Maintenant, je ne sais pas quelle minute de cours que je donne, je montre la façon numéro 1. Je glisse une maille à l'endroit, j'enlève de mon aiguille, je passe d'une aiguille à l'autre. Donc, elle est du mauvais sens, disons. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Oups, je suis en train de faire continental, hein? Désolé. Je fais ma maille suivante à l'endroit. Et la maille que j'ai glissée, qui c'est celui-là, je la rabattre en passant sur la maille que je viens de tricoter. Et j'ai un sujet simple. En arrêt, je peux être... Allô, Linda, ça va? Ok, donc ça, c'est la façon sujet simple de faire. Maintenant, je vais vous montrer la façon SSK. SSK, c'est en anglais, ça veut dire sleep, sleep, neat. Qu'est-ce que c'est sleep, sleep, neat? C'est une autre manière de faire les sujets simples qui c'est exactement, les résultats, c'est exactement les mêmes. D'accord? On y va. Donc, ici, je vous montre. Je glisse une maille sans la faire, donc slip. OK? Je tricote, je glisse la deuxième maille sans la faire, slip. Slip, slip. Et après, que j'ai deux mailles qui sont de mauvais bord, qui sont tordues dans l'autre sens, je vais remettre mon aiguille de gauche à l'intérieur ici. Pas besoin d'enlever mon aiguille de droite. Mon aiguille de gauche, elle rentre en avant. En croisant en avant, je prends mon fil ici qui est de l'autre bord et je tricote les deux mailles ensemble. Et les résultats, c'est les mêmes. On ne peut pas dire la différence entre une et l'autre. Vous voulez voir? D'accord. Donc ici, c'est mon SSK. Et là, ici, je vais faire mon sujet simple. Et là, vous allez comparer les résultats des uns et de l'autre. C'est exactement égal. Et pourquoi que ça existe deux façons différentes de faire la même chose? Parce que
Parce que pour certaines personnes, vont trouver mieux une, l'autre personne va trouver mieux. Moi, je fais les sujets simples. Glisse, décote, rabattre. Céline appelle les sujets simples des GTR. Glisse, décote, rabattre. Parce que c'est ça dans l'ordre qu'on fait. On glisse la première, on tricote la deuxième et on rabattre la première maille. SCSK, c'est la façon plus commune entre les patrons américains. Mais à chaque fois que je vois un SCSK dans les patrons, moi, je fais un glisse, tricote, rabattre et le résultat, c'est impeccable. C'est la même chose. C'est bon? Manon pose une question. Le sujet simple a l'air beaucoup plus simple. C'est quoi le plus simple méthode continentale? OK. Laisse-moi finir ici la méthode anglaise. Les amis qui tricotent à l'anglaise, avez-vous des questions? Avez-vous des questions comment faire les jetés? Avez-vous des questions comment rabattre les mailles? Comment faire les SSK? Comment faire les sujets simples? Et je vous rappelle que vous pouvez toujours écouler la vidéo après et regarder en différé. OK? Si c'est correct, écris-moi un OK des côtés. Écris-moi OK et là, je sais que c'est tout bien. OK, non, j'imagine que ce n'est pas de question. C'est bon. Ça fonctionne aussi. D'accord. Donc, maintenant, je vais tricoter à Continental. Et là, regarde. Là, regarde la beauté de la chose. Parfait, Manon. Question, comment tricoter? Regarde, d'accord? Regarde que c'est vite. Je vais tricoter continental, ok? Comment on fait pour faire un GT continental? C'est fait. Trop vite, Clara! Fais plus lente, d'accord. Mon aiguille de droite, qui c'est celle-là, d'accord? C'est elle qui va chercher les fils. Donc, quand je rentre ici pour tricoter à l'endroit, d'accord? Elle rentre ici et elle fait ça. Les jetés, c'est simplement ajouter une maille sans piquer dans la maille. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le même mouvement qui c'est ça. J'enlève ça parce que c'est... OK. Voilà. Donc, regarde. Mon aiguille ici, elle passe en bas du fil et voilà, le jeté, il est fait. Et comme mon fil est dans ma main gauche, il est déjà fixe sur mon aiguille. Ça, c'est un petit détail, d'accord? Mais c'est ici qui, principalement, qui les amis qui tricotent continental gagnent. Parce que ça va être beaucoup plus simple de comprendre des autres choses qui viennent après, par exemple, les brioches. Puis c'est un point qui a une difficulté de plus entre les personnes qui tricotent à l'anglaise. Et je trouve que pour les personnes qui tricotent continentales, comprennent beaucoup plus vite. Okay? Je répète pour la troisième fois comment faire le jeté. Donc mon aiguille est ici. Elle passe derrière les fils et le jeté est fait. Ensuite, je vais faire ma diminution qui tombe à gauche. Je vais faire mon sujet simple, mon glisse, tricote, rabattre. Donc, je glisse une maille sans la faire. Allô, focus. Voilà. Je tricote la prochaine maille à l'endroit. Et la maille que je n'ai pas tricotée, qui c'est bien celui-ci, je la rabattre en passant sur l'autre. Donc, change absolument rien. OK? Rien. L'unique chose, c'est que mon fil, maintenant, est dans ma main gauche. Je vais faire les SSK pour vous montrer. D'accord? Même chose. Je glisse une maille sans la tricoter. Je glisse la deuxième maille sans la tricoter. Là, je vais rentrer mon aiguille de gauche dans les deux mailles en croisant avec mon aiguille de droite en avant. Donc, je n'enlève pas mon aiguille de droite. Et mon aiguille de droite, elle est déjà dedans. Je tricote les deux mailles ensemble, comme ça. Voilà. Je fais les deux diminutions ici. Ça, la deuxième, c'est mon SSK. La première ici, c'est mon sujet simple. Facile? Pas difficile, hein? Pas difficile. Donc, je vais le faire ici. Avez-vous des questions? Est-ce que le jeté peut se faire à la portugaise? Bien sûr. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais je ne donne pas des cours à la portugaise ici, Geneviève. Donc, mais il pense que le jeté, c'est enrouler mon fil autour de mon aiguille.
D'accord? Donc, pourquoi? Quel est l'avantage finalement de tricoter à continental et à l'anglaise? Je vais vous montrer. Quand on tricote à l'endroit, ce n'est pas grave. D'accord? Parce qu'on fait les jetés ici. D'accord? Je vais faire à l'anglaise pour vous montrer la différence. Donc, je fais mon jeté, je passe mon fil en avant. Et quand je tricote ma prochaine maille, mon jeté, il va s'y fixer sur mon aiguille. Simple. Mais il change si la maille suivante, c'est une maille à l'envers. Je vais vous montrer. Pour faire la maille à l'envers, mon fil, il faut que ça soit en avant, d'accord? Donc, disons, je viens de finir une maille à l'endroit, je passe mon fil en avant, d'accord? Mais pour faire la maille à l'envers, si je tricote immédiatement ici, mon fil, il ne va pas passer sur l'aiguille. Donc, je n'ai pas de jeté. Pour pouvoir faire un jeté, il faut que mon fil passe sur l'aiguille. Ça, c'est mon jeté fait. Et ensuite, il revient encore une autre fois en avant. Et là, mon jeté est ici. Et je peux tricoter à ma maille à l'envers. D'accord? On n'a pas besoin de faire jeter maille à l'envers dans ce carré, mais je pense que c'est mon obligation de vous expliquer qu'il y a cette différence pour les gens qui tricotent à l'anglaise. D'accord? Donc, maintenant, oui, mon fil, il est passé sur mon aiguille. Pour mes amis qui tricotent continental, ça n'est pas un problème. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, imaginez-vous, j'ai fait ici ma maille, j'ai fait ici mon jeté, d'accord? Et ensuite, je passe mon doigt en avant pour tricoter ma maille à l'envers. Voilà, mon jeté est ici. Donc, à partir du moment que j'enroule mon fil et je le passe en avant, mon fil est déjà bien placé pour tricoter la maille à l'envers. Et pour faire la même chose de la méthode anglaise, il faut que j'enroule une fois pour le jeté et une autre fois pour la maille à l'envers. Vous comprenez de quoi je parle? Oui, ben voilà, Geneviève. Et c'est ça qui se mélangeant. Quand on commence à faire, par exemple, un point qui s'appelle brioche, je vous invite à regarder, c'est très beau, d'accord? Mais cette idée d'enrouler les fils deux fois, parfois les gens font des problèmes. Ok, là je suis allée très loin pour vous expliquer une chose qui va apparaître dans votre vie de tricoteuse. Mais on revient à notre charte d'aujourd'hui, d'accord? Avez-vous des questions sur comment on fait des jetés, n'importe quelle méthode? Est-ce qu'il y a des questions sur comment on fait un sujet simple, comment on fait un GTR? Diane, si tu es confortable avec la méthode anglaise, il n'y a rien d'incorrect en tricoter avec la méthode anglaise, d'accord? Il n'y a rien, ça va fonctionner pareil et à la fin, on ne peut pas dire ni un ni l'autre. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je donne des cours, 12 ans que je donne des cours. C'est différent la façon de comprendre les tricots pour les gens qui tricotent continental et les gens qui tricotent à l'anglaise. Mes explications sont différentes pour une chose et pour l'autre. Mais, ok, Gabrielle, désolé, je ne fais pas de crochet tunisien. Je ne peux pas comparer, désolé. Ok, donc pour le premier rang, d'accord? Pour le premier rang, ça va être ça. On tricote 5, on fait un jeté, on fait mon augmentation inclinée à gauche, mon SSK. Ensuite, je répète, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ça, 5, plus ça, et je termine ma charte. D'accord? Donc, et ensuite, rang d'après, mon rang à l'envers, qui n'est pas décrit ici, je tricote 3 mailles à l'endroit, 30 mailles à l'envers et 3 mailles à la fin. S'il te plaît, mettre une flèche, mettre des étoiles, quelque chose pour vous rappeler qu'une fois que vous aurez fini les rangs 1 ou 3 ou 5, il y a toujours un rang pair à faire, même s'il n'est pas montré ici. D'accord? Ouais, elle est là, elle est là. Supposez de savoir. 5 mailles ici au début, plus la bordure. Moi, je ne parle pas de bordure. La bordure, ce n'est pas écrit ici.
C'est là, il faut, comment je peux dire, automatiser, d'accord? Automatiser de notre tête. Au fait, on aura trois mailles de bordure, plus les cinq du point qu'on fait aujourd'hui. C'est bon? Six entre les jetés. Ouais, mais écoute, un, deux, trois. Tu as raison. Six. Désolé, tu as bien raison. Six. Ok, on y va. Pour mon rang 5, on a un autre type de diminution. Ça, c'est une diminution qui va tomber à droite. Mais Clara, combien de mailles on mange quand on fait un SSK? Une. Combien de mailles on mange pour faire une autre diminution qui tombe à droite? C'est deux mailles ensemble. Spoiler. Deux mailles ensemble. Une. Et pourquoi il faut apprendre deux? OK. Au niveau des chiffres, d'accord? Au niveau de la comptabilité du point, les deux mailles mangent une maille seulement, d'accord? Elles enlèvent une maille, right? Mais au niveau esthétique, au niveau des beautés, on a, oui, des diminutions qui sont orientées vers la gauche ou orientées vers la droite. D'accord? On peut voir ici dans les carrés, right? Ici, c'est des augmentations à droite. Ici, c'est des augmentations à gauche. Clara, qu'est-ce qui va se passer si j'apprends qu'il y a une diminution? Si je vais faire toutes les SSK, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Effectivement, on aura une petite dentelle, on aura des trous, ça irait. Différence, ça va être moche. Ça va pas être si joli ou si propre, d'accord? Comme quand on fait une et l'autre. D'accord? Donc, je vous conseille d'apprendre les deux méthodes, même parce que la deuxième méthode, regarde, c'est très facile. Donc, ici, pour faire la diminution qui tombe à droite, je rentre mon aiguille entre dans les deux mailles, d'accord? Mon aiguille, allô, focus. Voilà. Mon aiguille est en train de rentrer dans les deux mailles qui sont ici et je tricote les deux mailles ensemble, easy peasy. Et comme j'ai diminué une maille ici, il faut que je compense cette diminution avec un jeté. D'accord? Un jeté et ensuite j'aurai une maille à l'endroit. Donc voilà. Ça, c'est le rang 5. La première partie, ça va être ça. Après, je fais un autre jeté et je fais un SSK. Voilà, c'est ça que vous êtes supposé d'avoir dans les rangs 5. Simple. Clara, et comment je fais deux mailles ensemble de la façon anglaise? La même chose. C'est au lieu de tricoter, de piquer dans une maille, on pique dans deux mailles. Donc, j'ai deux mailles ici, right? Je rentre mon aiguille dans les deux et je tricote les deux mailles ensemble. Voilà. Exactement ça. Avez-vous des questions? Maintenant, je suis ouverte à vos questions. Pourquoi on fait diminution? Pourquoi on fait, bon, on fait des diminutions déjà et augmentations parce qu'on veut faire des trous, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est la clé de la dentelle? Comme on va faire un carré, d'accord? Si je fais seulement diminution, j'aurai chaque fois que je termine un rang, moins de mailles. Hein? 36, ensuite j'aurai 3 diminutions à faire, j'aurai 33, etc. Et si je fais seulement d'augmentation, ça va augmenter 36, 37, 38. Et on ne veut pas ça. On veut que ça soit un carré. Okay? Je veux commencer et finir toujours avec la même quantité de mailles. Donc c'est très important de compenser chaque diminution avec une augmentation et compenser chaque augmentation avec une diminution pour avoir toujours la bonne quantité de mailles. Ça va? Oui, c'est exactement ça. On remplace avec les jetés, c'est une augmentation. On remplace les jetés, on remplace la maille qu'on vient de manger, d'accord?
avec une augmentation qui s'est rejetée, avec un trou. Une autre chose que personne ne m'a posé comme question aujourd'hui, c'est... Ah, ça vient de perdre dans ma tête. Diminution compensée. Je vais me rappeler jusqu'à la fin du cours, d'accord? Mais la dentelle, il faut faire ces jours-là. Sauf si on fait par exemple un châle, parce que là on a des endroits qui on va augmenter pour changer la forme. Donc à chaque fois qu'on veut changer une forme, on va jouer avec la quantité d'émail qu'on a sous nos aiguilles. D'accord? Si on veut faire augmenter comme un triangle, si on veut diminuer aussi, triangle, carré, etc. Là, c'est les diminutions et les augmentations qui vont changer cette forme. Comme nous sommes en train de faire des carrés, on va toujours compenser l'augmentation avec la diminution. C'est bon? Ok, on lit les diagrammes en miroir. On va lire toujours des droite vers la gauche. Et les rangs qui sont pairs ne sont pas dans la charte parce qu'on n'a pas besoin de camon. On va garder dans notre tête et on va les faire avec nos yeux fermés. C'est notre rang bonbon, notre rang de détente. C'est bon? Terme anglais pour... Oh, merci! Merci, Geneviève. Terme anglais pour la diminution, pour l'augmentation, GT, c'est yarn. Over, ça c'est séparé. Over. Over quoi? Les fils sous l'aiguille. Yarn over the needle. D'accord? Et l'abréviation, ça va être yo. Comme ça. D'accord? Ici. Il est sujet simple, ok? Existe aussi en anglais, mais il fait comme sleepy one, donc S1 pour sleepy one, PSS. O. Chaque fois que vous regardez S1 PSSO, c'est comme pass stitch, passer la maille sur l'autre maille, d'accord? C'est comme rabattre celle-là. On glisse une, ah, il y manque. Glisse une S1, knit one. PSSO. Donc, on glisse une, on tricote la prochaine et on passe une maille sur l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est les sujets simples. Les SSK n'a pas vraiment une traduction pour les Français. Donc, on peut utiliser soit une, soit l'autre. Ça devient au même. Question? Avez-vous des questions? Vous êtes bonne pour faire la fin de semaine? C'est correct? Tout le monde est capable de faire? Avez-vous plus de questions, s'il vous plaît? Ça, c'est le bon moment. Ça, c'est le moment. Pendant que j'attends ça, Virginie m'a posé la question de comment rentrer les fils. Je vais faire une démo ici avec les tricots de Céline. Mais j'attends votre réponse encore. Si c'est tout bien, écris-moi OK et je peux passer à autre chose. Merci, Gabriel. Merci, Gabriel. Je vais prendre l'autre fil. Seul pont pour Gabriel, c'est correct? Pour personne d'autre? Pendant combien de rangs? Pendant combien de rangs jusqu'à avoir les mêmes hauteurs de carré. OK? On va tricoter notre carré en dentelle. OK? Ici, jusqu'à côté, je tricote mon carré. Chururu, 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 chururu. Comme j'arrive à peu près ici, quand il manque genre 1,5 cm et demi pour la fin, ici, je fais ma bordure. Comme toujours, je garde toujours les mêmes hauteurs de mes carrés. D'accord? OK, pas de questions. Donc, je vais répondre à la question de Virginie maintenant, si c'est tout bien, si tout bien pour tout le monde. Donc, Virginie m'a demandé la question, comment se rentrer les fils? Elle s'anticipe un peu. Pourquoi? Moi, je préférerais qu'on rentre les fils à part seulement quand les bordures, quand la couverture, elle sera fini. Je n'ai pas ma couverture ici, je l'ai laissée en bas aujourd'hui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Après avoir fait la couture, ok, ça c'est notre carré en dentelle,
Après avoir fait la couture ici, j'aurai une petite bosse de l'autre côté, du côté envers. Donc là, ça va être plus facile à rentrer mon fil dans cette relief qui s'était creusé par la couture. Donc c'est beaucoup plus simple de rentrer là. Mais la question, elle est toujours pertinente. Je vais rentrer mon fil d'une autre couleur seulement pour vous montrer mieux la différence. D'accord? Quand on termine, mon fil est attaché ici, disons. Il est attaché à mon carré. Je vais couper environ 10 cm, 15 cm, pas plus que ça. J'aimerais que tu me montres les rangs 5. Oui, mais les rangs 5, j'ai montré tantôt, Diane. Remontre, ok, à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit ou à l'envers? À continental ou à l'anglaise? Qu'est-ce que tu préférerais? Je suis en train de défaire ici pour te montrer. Diane, tu aimerais que je te montre à continental ou à l'anglaise? Est-ce que tu dois laver ce... On arrive, Manon. Garde ta question. Bonne question aussi. Garde ta question. Diane, les deux à l'anglaise. D'accord. Donc, rang 5, ok? Je tricote mes 3 mailles au début. Ensuite, je suis arrivée ici au cas. Ah, je me rappelle. Qu'est-ce que je m'y rappelle? Ah, merci, merci. Donc, ça, pour faire ce truc-là, il est dans un carré, d'accord? Mais au fait, j'utilise ça, la maille 5 et 4 en même temps. Donc, il faut oublier l'idée de que chaque carré représente une maille. Non. Chaque carré représente une action à faire avec la maille. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ici, l'action du carré blanche, c'est tricoter la maille à l'endroit, tricoter la maille à l'endroit. Ici, quand j'arrive dans ce carré, pour faire mon jeté, je n'utilise aucune maille, aucune maille. Mon jeté, il se fait sur l'aiguille. Et ensuite, pour faire ma diminution, ok, même si mon petit trait ici, il est dans une maille seulement, c'est une diminution qui prend 2 mailles en même temps. Ok, donc habituez-vous à penser la charte comme une charte d'action. Qu'est-ce que je vais faire à chaque carré, à chaque étape, pas à pas. Ça a du sens? Ok, donc maintenant, on y va. Mais ici, comment retenir Kim, une et l'autre? La charte, elle montre clairement qu'est-ce qui c'est à gauche et qu'est-ce que c'est à droite. D'accord? Tu pourrais marquer avec une couleur différente pour se souvenir, par exemple. Ah, ok. Tout ce que j'ai colorié en bleu, c'est à gauche. Et tout ce que j'ai colorié en orange. Oups, ça c'est à gauche aussi. Désolée, j'ai la même maladie de ma maman. Ici, tout ce qui c'est à gauche, c'est marqué en bleu. Et tout ce qui c'est en orange, c'est parce que je vais faire à droite. D'accord? Mon Dieu, beaucoup de questions. En affaires, il faut savoir lire un diagramme. Mais voilà, la charte, c'est le diagramme. Exactement. Pour Gabriel, ce n'est pas justement si elle penche d'un côté ou de l'autre. Il faut regarder. C'est ça que je dis tout le temps. Parfois, on regarde, on tricote trop automatiquement. En train de répéter, répéter comme un enfant répète les A, B, C, D, E, F. Pour qu'on apprenne à lire, seulement savoir les lettres, vous êtes d'accord avec moi, seulement savoir les alphabets, c'est pas assez pour apprendre à lire. Qu'est-ce qu'il manque? Connaître les sons. Connaître les sons et après connaître la combinaison entre une voyelle et une consonante. C'est la même chose ici. On peut tout à fait répéter, sans penser deux fois, répéter la charte comme il faut. Mais pour comprendre et après, pour savoir comment faire la correction, il faut regarder. Ok, j'ai fait 2 mailles ensemble. À quoi ça ressemble 2 mailles ensemble? Ah, c'est comme ça, la jambe plus longue, la jambe plus courte. D'accord? Et c'est fait des repères dans votre tricot. C'est le premier pas pour apprendre à rattraper les erreurs dans le futur. Exactement, Gabi. Exactement. La maille va tomber à droite ou à gauche.
Attends, je vais faire ici la démo pour Diane, Kim, et tu vas apprendre mieux. Donc ici, comme j'arrive au rang 5, j'ai marqué ici, j'ai une diminution à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre mon aiguille ici. Ici, je tricote deux mailles ensemble. Voilà, je viens de tricoter deux mailles ensemble. Je vais faire mon jeté. Donc, je passe mon fil en avant et légèrement sur mon aiguille. La maille suivante, c'est bien celui-ci, que c'est une maille à l'endroit. Je rentre mon aiguille et je tricote ma maille à l'endroit. Right? Ma maille à l'endroit, mon jeté, ma diminution à droite. Ensuite, j'ai fait un autre jeté qui est bien ici. Donc, fil en avant, fil sur l'aiguille. Et pour finir, j'ai fait un sujet simple qui, ça veut dire, je glisse ma maille à l'endroit, je tricote ma prochaine maille à l'envers et la maille que j'ai glissée, je passe par-dessus. Je rabattre. Donc, c'est ça qu'on aura. Kim, est-ce que tu peux voir bien les mailles que je viens de faire ici? Cette maille qui est inclinée vers la droite et cette maille qui est inclinée vers la gauche. Est-ce que tu arrives à voir la différence entre ça et ça? Bravo, Diane. Excellent. Kim, est-ce que c'est clair pour toi? Oui, excellent. Donc ici, j'ai la maille qui penche à droite et la maille inclinée vers la gauche. Ici, c'est très facile, hein, parce que moi, je les pointe ici. Mais j'aimerais rien que vous, chez vous, vous fassiez cet exercice d'apprendre à regarder la direction. D'accord? Apprendre à observer votre travail, votre ouvrage, pendant que vous tricotiez. Parce que sinon, pour apprendre à corriger, qui c'est la chose que tout le monde veut apprendre, d'accord, il faut savoir lire les patrons ici. Pas lire les patrons seulement sur les papiers, mais lire ce qu'on fait ici. Sois capable de regarder ça et savoir que c'est un SSK, un GT, une maille, etc. OK? Exactement, exactement, Kim. Toujours. Toujours le sujet va être à gauche, toujours les deux mains ensemble, ça va être à droite. OK? Right. Maintenant, je vais continuer ce que je parlais aussi de comment rentrer les fils. Donc, quand j'aurai fini mon carré, j'aurai un fil qui va sortir d'ici. D'accord? Donc, imaginez-vous que mon fil moutarde, il sort d'ici. Je vais le couper environ 10 à 15 cm. Bientôt, Geneviève, je vais continuer ici et j'arrive, d'accord? Donc, ici, je peux rentrer mon fil dans toutes les directions possibles. Je peux rentrer comme ça, je peux rentrer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux rentrer partout mon fil. Mais je vais choisir toujours l'endroit où il est moins visible. C'est pour ça que j'attends toujours terminer la couture, parce que quand je termine la couture, j'aurai une petite bosse ici et ça va être beaucoup plus simple pour rentrer. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, mon fil, il sort d'ici. Je vais rentrer mon fil verticalement, comme je vous montre. Je rentre ici. Ça, c'est mon côté droit, ça, c'est mon côté envers. Donc là, je vais passer mon fil. Imaginez-vous que ça, je vais jusqu'à la fin. Je vais comme 3 cm de loin et après, je reviens. Et moi aussi, je brise un peu mon fil. Je passe un peu à l'intérieur de mon fil pour qu'il ne sorte pas. Voilà, c'est rentré. Seulement ça, et je peux couper mon fil comme ça. Comme ça, c'est un fil qui feutre au fur et à mesure. Quand je lave les fils, je vais quand même filocher un peu ici pour qu'au moment qu'il lave, il commence à s'accrocher sur les mailles et que la finition soit
encore plus solide. OK? Donc, c'est ça. On rentre, on revient, c'est fini. Mais, je vous suggère de rentrer vos fils seulement quand vous aurez fini la couture. D'accord? Quand vous aurez fini la couture, c'est là que vous allez rentrer votre fil parce que vous aurez beaucoup d'espace, beaucoup d'endroits à rentrer. Ici, où je fais, ou même si je fais dans l'autre sens horizontal, ça peut gêner les moments que je vais faire la couture à la fin. Ça peut. Je ne suis pas en train de dire que ça va. D'accord? Mais ça peut gêner un peu quand je fais la couture. Avez-vous des questions sur comment rentrer les fils? Je vais défaire parce que ça, c'est des carrés de Céline. Elle ne sera pas contente que j'ai fait, que j'ai rentré un autre fil d'une autre couleur dans son carré. Oups! Question! Question sur comment rentrer des fils. Voilà. J'ai enlevé les petits bouts de fil ici. Non? Pas de question? OK? 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 Okay. Ah oui, tu leur as demandé de laisser 50 cm. Oui, exactement. Ça, c'est les fils du début, par exemple. Ou les fils au fil de la fin. Moi, au fait, je vais vous dire. Moi, j'ai laissé 50 cm au début et à la fin. Parce que j'aurai beaucoup d'endroits où je vais faire ma couture. D'accord? Et j'ai laissé dans les deux. Je rentre mes fils, comme je dis, seulement après avoir fini la couture. C'est plus simple. Et je suis certaine que ça ne va pas manquer de fil. D'accord? Mais, si vous faites un autre projet parallèle et vous laissez un petit bout à la fin, vous pouvez faire ça. OK? C'est bon? Je montre maintenant à Geneviève comment faire la même chose avec la méthode continentale. Un petit minute. J'attends, si vous avez des questions sur comment rentrer des fils, je vous attends aussi pendant que je défais mon petit échantillon. OK, Geneviève, on y va. Voilà, donc première chose que je vais faire, c'est deux mailles ensemble. Donc mes mailles sont ici. Au lieu de piquer dans une, je pique dans les deux. Comme ça. Je fais deux mailles ensemble. Ensuite, je vais faire mon jeté. C'est fait. C'est seulement ça. Après, je fais ma maille à l'endroit. Donc je rentre ici, je tricote ma maille à l'endroit. Après, je fais un autre jeté, donc j'enroule mon fil autour de mon aiguille et je fais mon sujet simple. Donc, je glisse ma maille à l'endroit, je tricote la prochaine maille à l'endroit et la maille que j'ai glissée, je vais passer par-dessus. Et voilà, j'ai fait la même chose que j'avais fait à l'anglaise, je le fais à la manière continentale. C'est bon? Question. Question, régresse ou France. Je pense que c'est un peu tard maintenant pour que je montre Ravelry. On peut laisser ça pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous me direz? On va parler des blocages la semaine prochaine, Dominique. Est-ce que si tu peux garder ta question pour la semaine prochaine? Oui, quand on aura les résultats, que tout le monde peut sentir. Parce que ici, le carré que je vous ai montré, c'est un carré bloqué. C'est quoi bloqué? J'explique la semaine prochaine. Parce que le carré que vous allez faire, ça ne sera pas si joli comme celui-là au début. Au début, seulement après la V. Mais je garde pour la semaine prochaine. J'aime ton avis. Moi aussi, c'était les premières aiguilles qu'on avait ici à la maison tricotée. Mais on ne trouve plus, malheureusement. Ah, on ne trouve plus cette aiguille. Oui, on cherche parce qu'ils sont les meilleurs, mais on ne trouve plus. Manon, est-ce que je dois laver, sécher, par les carrés avant l'assemblage? Oui, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On parle de ça la semaine prochaine. D'accord? J'aimerais, avant que vous tricotiez votre première dentelle, d'accord? Pour sentir. Est-ce que vous aimez tricoter ça? Est-ce que c'est trop difficile à tricoter ça? J'aimerais voir votre commentaire, vos commentaires sur Facebook. Je regarde tout. D'accord? Je regarde tout. Je réponds les questions dès qu'il est possible. Mais même si je ne réponds pas, je regarde pour voir si c'est tout bien.
Comment est-ce qu'on peut défaire les nouveaux points si on fait des erreurs? Ah, excellente question. Excellente question. On va détricoter comme j'ai montré la semaine passée. Je pense que c'est Janine qui me pose la question. On détricote pareil. Et pour l'instant, quand j'arrive ici à... Excellente question. Janine, je te donne un prix des meilleures questions d'aujourd'hui. Ici, donc, je vais défaire. OK? Mes deux mains et ma main, elles sont ici. Mes deux mains et ma main sont là. Donc, je vais rentrer mon aiguille ici par en arrière. Comme ça. Maintenant, elles sont en sécurité sur mon aiguille. Mais, comme c'était mes sujets simples, les mailles regardent de mauvais bord. Donc, avant que je continue à détricoter, je remets mes mailles dans les bons bords. OK? Ensuite, mon jeté, il est déjà parti de mon aiguille. Ma maille à l'endroit, je rentre ici en bas dans la maille maman et je fais tomber la maille fille. Mon jeté est ici, je l'enlève de mon aiguille et mes deux mailles ensemble qui sont bien ici, je vais rentrer la pointe de mon aiguille dans les deux mailles au même temps. OK? Mais cette fois-ci, mes deux mailles sont déjà du bon bord. Right? Donc, quand les mailles sont, quand je fais un sujet simple, je rentre dans les deux mailles, d'accord? Et il faut après la replacer dans le bon sens. Mais quand j'ai défait deux mailles ensemble, je rentre dans les deux mailles et les mailles sont déjà dans le bon sens, pas besoin de changer. D'accord? C'est bon, Janine, est-ce que je t'ai répondu? C'est un défi raisonnable, oui. Je pense que vous êtes déjà trop bonne avec la maille endroit et la maille à l'envers, mais bravo tout le monde pour avoir vécu cette étape et vaincu cette étape. Ouais, de ne pas lâcher, de garder votre anxiété dans les poches pendant faire ces choses. Maintenant, on commence une autre étape qui c'est la dentelle. Et la dentelle aussi, elle peut causer un peu d'anxiété, d'accord? Mais on respire toujours. On pense que c'est seulement de la laine, que personne ne va mourir. On enlève nos aiguilles si c'est nécessaire. On recommence, d'accord? Moi, j'ai fait ici seulement un petit échantillon de 16 mailles. Donc, si jamais vous avez peur, vous pouvez faire un petit échantillon de 16 mailles et essayer de tricoter seulement ces 16 mailles-là et voir comment vous trouvez. Et après, et seulement après, monter les grains carrés. C'est une possibilité aussi. Moi, la dentelle, c'est ma technique, mon style, disons, mon style préféré de tricot. Spoiler, hein? Mais j'espère que je ne vais pas vous contaminer avec ça. Mais c'est vrai que je trouve les patrons en dentelle beaucoup plus jolis, j'ai beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'études dans la dentelle que dans les autres styles, disons. Mais on va passer partout, on va passer pour les torsades après, on va passer pour les jacquards, ok? On va connaître un peu de tout dans ces cours ici. Gabriel m'a dit que tu fais une super belle dentelle. Ouais, merci. Merci, c'est gentil. Je vais donner un cours de châle, spoiler de nouveau. Je vais donner un cours de châle ici en masse. Mais ça va être mon patron, mais je ne vais pas parler de ça. Ah, ok. J'avais une autre chose dans ma tête à vous expliquer aujourd'hui que j'avais complètement oublié. C'est la dernière chose que j'avais dit. On va laisser Ravelry et on va laisser lavage et blocage pour la semaine prochaine. Je laisse qui responsable? Je laisse Diane. Diane, prends note. C'est toi, Diane. Diane et Manon, vous deux, prendre note et me rappeler la semaine prochaine des choses que j'ai promis de montrer. Mais en attendant la semaine prochaine, j'aimerais vous faire une invitation très spéciale. J'ai demandé la permission à Céline. Dans le mois de mars, je vais faire un défi, rien à voir avec tricot, c'est un défi de broderie. Après, je vais publier dans les vidéos les liens et tout pour que vous puissiez s'y renseigner. Ça va être un défi de broderie, un broderie abstrait, que j'appelle des journaux brodés. Donc, c'est pour broder un peu 5 minutes par jour pendant un mois.
Oui, inclus samedi et dimanche aussi. Un tout petit peu, un peu par, un petit peu. À chaque jour, d'accord? Pendant le mois de mars. Donc, c'est fin. Je l'ai fait l'année passée. C'était un gros succès. Donc, je répète cette année. C'est gratuit en plus. Donc, si vous pouvez, si vous voulez, si vous avez l'intérêt, vous pouvez aller sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est déjà à Clara, tout ensemble, hein, mon nom, Clara Quintela. Voilà, ici. Et ici, chez la Maison Tricotée, succursale Angus, vous allez voir presque tous les matériels. L'unique chose qu'on n'a pas là, c'est les tissus. Mais un tissu, un vieux drap, ça fait la job, d'accord? On aura besoin de seulement un tissu pour mettre sur les seseaux, c'est fini. Seseaux, fil, aiguilles, tout à Angus, vous allez trouver. Donc, ça va être la broderie libre, ça va pas être les petits points ni les points de croix, Dominique. Ça va être la broderie libre, abstraite. Donc, c'est ça, c'est un défi collectif. On a déjà 40 personnes inscrites. Je suis hyper contente. Et là, je passe l'invitation à vous. Si vous n'aimez pas broder, si vous jamais brodez, ça, c'est pas une excuse, parce que j'ai fait des vidéos support que vous pouvez toujours regarder. Et je serai live les 31 jours de mars pour vous expliquer. Donc, vous pouvez poser les questions quand vous voulez. Et si vous avez aussi des amis qui aiment broder ou qui aimeriez commencer à broder, l'invitation est extensible à tout le monde. D'accord? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris vidéo de support tout sur mon YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, youtube.com/clarabeauty. Tu vas trouver ma chaîne là-bas. Toutes les vidéos de support. Les plupart sont en portugais, mais dans la playlist, tu vas trouver les supports broderie en français. D'accord? Merci à vous pour cette belle, beau vendredi froid et blanc, blanc de neige. Merci pour votre présence ici. Merci pour votre présence. J'espère que vous puissiez regarder la vidéo après en direct. Lâchez pas, d'accord? Lâchez pas. Les plus grands qui c'est les défis, les plus grands qui c'est la joie après de l'avoir faite. Ok? Et je sais que vous êtes capable de faire. Vous avez prouvé déjà dans les 5e semaine que vous êtes capable de sortir de zéro et arriver à la dentelle. Regarde ça, vous êtes arrivé à la dentelle avec 1 mois seulement de cours. Donc, bravo tout le monde. Ok? Bonne fin de semaine! Bisous tout le monde et à vendredi prochain. Bye bye.